Salut à tous et bienvenue dans Culten Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et alors, quand on vous dit de presque qualité, ça n'aura peut-être jamais été aussi vrai que dans cette vidéo. Kerr a préparé un dossier sur les sorties de l'été. Et je vais du donc mois lui août. laisser la parole. Oui, du, du mois d'août précisément. Et je vais lui laisser la parole tout simplement parce qu'il a une voix enchanteresse. Et personne d'autre que lui ne pourrait mieux vous conter quelles sont les autres sorties de ce mois d'août. J'allais dire été, mais Carme aurait repris. Et du coup, j'ai dit mois d'août. C'est comme ça, presque qualité. Oui, salut, salut à tous. Alors, on y va pour les sorties de l'été. On va commencer tout de suite par les sorties ciné. On va faire ça vite. Avec euh, d'abord le premier film de l'été qui euh, marque c'est Bullet Train avec euh, Brad Pitt, réalisé par euh, David Leitch, réalisateur de euh, donc, euh, Deadpool. Euh, Brad Pitt qui a l'air de s'éclater de ouf dans le film, mais aussi dans la promo. J'ai rarement vu Brad Pitt aussi, euh, aussi euh, déjanté. Euh, donc voilà Bullet Train, film d'action euh, dans un train euh, principalement. Euh, voilà, on a également le même jour, le 3 août, l'année du requin, qui est une comédie française avec Marina Foïs, Cadmerald euh, si je ne dis pas de bêtises aussi. Bon, hein, petite euh, petite comédie française. Euh, je ne vais pas en citer beaucoup dans cette vidéo, donc euh, je me suis dit que je vais en faire une quand même pour euh, pour les quotas. Il euh, y a un film One Piece, One Piece euh, Red euh, qui sort le 10 août. Euh, pour l'instant, on n'est pas dans du très gros film. Le gros film du 10 août, c'est le nouveau film de Jordan euh, Peele qui s'appelle Nope avec euh, Daniel Kaluuya euh, notamment euh, et euh, Stephen qu'on avait vu dans euh, The Walking Dead. Euh, c'est un film fantastique euh, qui a eu euh, alors qui euh, était très excitant sur le papier et au niveau de l'image notamment et la photo tout ça mais euh, qui apparemment est pas euh, folichon folichon euh, d'après euh, certaines euh, critiques donc euh, donc voilà euh, si on pouvait également vous citer euh, d'autres films le 17 il y a là où chantent les euh, écrevisses qui sort et il y a aussi euh, surtout esther 2 euh, pour ceux qui aiment les films d'horreur Esther 2, Les Origines, qui est donc la suite de, bah de Esther 1. Mais c'est, comme vous l'avez compris, un, un préquel. Un séquel. Un préquel. Un préquel. Euh, donc, <laughs> donc voilà. Esther 2, et là où chantent les écrevisses, c'est un film avec l'actrice Daisy Edgar Jones. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un film qui apparemment un des qui euh, vaut le euh, coup d'œil. Euh, mais euh, pour les sorties ciné euh, de euh, l'été, euh, c'est quand même enfin de l'été. Je reprends les, la même erreur que, que Greg. Euh, on est fait dans le même moule. Euh, non, euh, c'est euh, plutôt euh, les sorties ciné du mois d'août. Il n'y a rien de véritablement. On a dit qu'on parlait chaud. pas de moule. Et... À l'exception de deux films qui, peut-être, euh, pourraient euh, être intéressants. Il y en a un qui m'intrigue, ça va être un film d'action, hein, de survie, avec Idris Elba, qui s'appelle Beast. Le 24 août, euh, Idriss Elba, euh, il fait un safari, et il se fait euh, attaquer par un lion. Et euh, voilà, un petit peu... Bah, globalement, le scénario, il est sur une feuille de papier cul. Euh, mais euh, ça peut être intéressant, Idriss Elba, un euh, lion... Euh, qui sera euh, qui sera euh, le roi à la fin de cet affrontement Je mets une pièce hein, sur euh, Idris Elba. Il faut pas l'emmerder. Mais le vrai gros gros événement ciné euh, du mois d'août, c'est le dernier jour, le 31 août. Everything, everywhere, all at once, euh, film euh, avec Michelio euh, qui euh, a des critiques excellentes. Pour une raison très simple, c'est le meilleur film de l'année 2022 pour l'instant. Film exceptionnel, extrêmement inventif. Euh, très touchant. Enfin, euh, c'est un, un ovni euh, qui met un, un coup de boule euh, toutes les 10 minutes. Euh, Everything Everywhere All At Once a enfin là la, la chance d'avoir une sortie ciné en France. Euh, il est sorti en VOD aux États-Unis euh, il y a un petit moment. Euh, beau succès en salle aux États-Unis. Enfin, beau succès. C'est pas un énorme succès, mais c'est un beau succès pour un film indé. Euh, C'est vraiment, 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 vraiment un film que je vous conseille d'aller voir en salle le 31 août. Euh, voilà, Everything, every, Everywhere, All at Once. Euh, voilà. All euh, at Once. Moi, f... De quoi C'est All at Once. Once. Ouais, bah moi je dis Once, parce que je sais pas bien parler anglais. Euh, maintenant, je vais vous parler des séries. Mon cher Greg, attention avec une mauvaise nouvelle. Si vous, pour vous, le mois d'août, c'était le mois de Andorre, eh bien, endormez-vous, parce que c'est n'est pas pour tout de suite. Ça a été repoussé de trois semaines et ça sort le 21 septembre. Andorre, c'est bien évidemment la série Star Wars. Euh, si vous ne le savez pas, c'est que vous dormiez euh, paisiblement. Euh, voilà, alors, au niveau des sorties séries, qu'est-ce qu'on peut dire nanani naner, nanani naner. On va commencer par les séries qui se terminent, parce qu'il y en a plein. Euh, qui se termine au mois d'août. Et il y a du lourd. Il y a For All Mankind, la série euh, de euh, l'Uchronie d'Apple de, de sur la, la, la conquête spatiale, qui est une excellente série avec Joel Kinnaman. La saison 3 se termine le 12. Donc le rendez-vous est pris. Le 14, fin de la saison euh, 3 de Evil avec Kaja Herbers et euh, l'acteur qui jouait Luke Cage, Mac Colter. Excellente série aussi que je vous conseille. Le 15. C'est une des meilleures séries de l'année 2022 si on écoute les critiques. Moi je la garde sur le côté parce que vraiment j'ai envie de, de faire un gros kiff là-dessus. C'est la saison 4 de Westworld qui se terminera. La saison 4 de Westworld qui a d'excellentes critiques. Le 16, c'est un événement dans l'univers des séries télé. C'est la fin de Better Call Saul de la saison 6. Avec, donc, euh, qui sera diffusé le 16 sur Netflix, série AMC. Euh, qui euh, si on en écoute les personnes qui regardent et je leur fais totalement confiance a atteint le niveau de ce que Breaking Bad faisait de mieux autant vous dire que à mon avis Better Call Saul ça envoie vénère et euh, on peut également citer euh, d'autres séries qui se terminent on a euh, le 19 alors là on va faire le grand écart entre Better Call Saul et cette série mais c'est la fin du, euh, des origines de Pretty Little Liars la première saison qui se termine le 19 c'est également la fin le 24 d'une des séries phares de Disney Plus Only Murders in the Building avec Steve euh, Martin et euh, notamment euh, Selena Gomez euh, qui se termine et le 29 euh, août fin de la saison euh, 6 et dernière saison d'Animal Kingdom. L'adaptation du film avec Steve Bouchemi. Euh, donc voilà, on a euh, des nouveautés. Des nouveautés, mon cher Greg, en veux-tu en voilà Tu aimes bien ce que tu euh, attends le plus Alors quand je dis nouveautés, c'est nouvelle saison ou, ou peut-être même nouvelle série. On a le 5, une série événement. Une série événement. C'est The Sandman. Euh, avec un casting en or massif, l'adaptation du comic book. Avec euh, donc, Tom Sturridge dans le rôle de Dream Boyle Brook de Narcos. Euh, dans le rôle du Corinthian, Jenna Coleman qu'on a vu dans Victoria et dans plein d'autres trucs euh, dans le rôle de Joanna Constantine, Gwendolyn Christie qui était Brienne dans Goth, qui va jouer Lucifer, on a Mason euh, Alexander Parker qui jouait dans euh, Cowboy Bebop la série qui joue Desire, on a Kirby Howell-Baptiste qui va jouer Death, euh, David Twillis qui on avait vu dans Harry Potter notamment euh, va jouer euh, aussi dans la série, Charles Dance euh, qui était donc euh, le Padré euh, des Lannister euh, joue aussi dans la série. Stephen Fry, acteur-réalisateur euh, très connu, euh, est également dedans. Julie Richardson de Niptuck, euh, vous euh, verrez son visage, vous allez la reconnaître tout de suite. Elle est aussi au casting, bref casting de Maboule dans cette euh, série qui est très euh, attendue. C'est un des gros événements euh, de l'été euh, 2022 et plus particulièrement de ce mois. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà. The Sandman, on va, euh, on va vous en parler sur la chaîne. Euh, gros gros euh, événements. Euh, Netflix sort de manière un peu plus discrète le 10, euh, Lock and Key saison 3, c'est euh, la dernière. Euh, c'est vrai que Lock and Key, la première saison, elle fait beaucoup parler, elle a de beaucoup moins. Et voilà la 3, pas, tout le monde s'en fout. Euh, puisque je parle de Netflix également, il y a deux films qui sortent euh, sur Netflix le film d'action Carter le 5 et Day Shift le 12. Donc si vous avez envie de passer un moment sympa. Euh, sur des films un peu bourrins. Euh, bah, Allez-y. Euh, autre truc que je voulais vous dire au niveau des sorties, et ça c'est une nouveauté. Euh, ah non, tiens avant de... Ah non, je parlais des animes après. Euh, donc nouveauté, bien évidemment, le nou la nouvelle série Marvel She-Hulk at atlau sur She-Hulk. Euh, donc le 17 août, pour le premier épisode, un épisode par semaine sur la série euh, dédiée à la cousine de Hulk. Euh, voilà, et je crois que j'ai pas oublié. Alors, si j'ai oublié, si euh, le 26 août euh, saison 3, la dernière, la série avec Jason Momoa sur Apple TV Plus, Apple TV Plus qui cet été est très active, plein de, de séries, plein de, de créations. Euh, ça, fait, ça fait plaisir, euh, donc voilà. Et euh, je crois que j'ai oublié aucun événement, si ce n'est le plus gros. Bien évidemment, le 22, sorti du premier spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. L'épisode 1 sera diffusé sur HBO le 22, l'épisode 2 une semaine plus tard. Il euh, y a déjà une vidéo hein, qui en parle sur la chaîne qui va sortir bientôt. On a déjà parlé avec une vidéo où on donne notre avis sur les trailers, notamment et sur la concurrence avec euh, The Rings of Power qui, elle, déboule le début septembre. Et je vais terminer mon tour d'horizon avec euh, des animes. Gambling School Twain euh, sort le 4 août sur Netflix. Très attendu, apparemment. Je ne connais pas, donc je ne vais pas donner mon avis. Euh, la saison 3 de Dota Dragon's Blood sort le 11 sur Netflix aussi. Et mon gros. Alors, non, avant de parler de mon gros kiff, il euh, y a The Cuphead Show saison 2 qui sort le 19 août, toujours sur Netflix. Et donc j'en arrive à mon gros kiff. Star Trek Lower Decks, saison 3, arrive sur euh, Amazon Prime le 25 août. Quel bonheur. Quelle série. Quel bonheur. Quel kiff. Bref, on a une fin de mois d'août, mon cher Greg. Hmm, ça va être délicieux. Entre House of the Dragon, Star Trek Lower Decks euh, et euh, Everything Everywhere, All At Once. Je l'ai bien dit là ou pas Eh ben c'est du lourd. Cette série, -ce le le plus moi, intéressé cette vidéo, alors a moins quelque chose à te faire progresser voilà. en anglais. Et ça, voilà, j'ai envie que, de dire, c'est -ce un, un service que, que vous nous avez rendu quelque part. De faire cette vidéo, ça a permis euh, à Ker de de, 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 comme ça, de monter les échelons pour se dire un jour, peut-être qu'à force de faire des vidéos euh, avec des titres en anglais, Ker sera entièrement bilingue et peut-être même qu'il pourra, comme ça, eh bien avec euh, avec toute son expérience, tout son bagage, peut-être que lui aussi sera un jour appelé à devenir un scénariste de Star Wars. Alors, qu'est-ce que tu as retenu du mois d'août J'ai retenu Game of Thrones. Ah, j'ai oublié un film Ah, suis-je bête Attends, 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 parce que tu vas le citer. Le 5, le film Predator sur Disney ⁇ bien évidemment. Donc, si je retiens trois trucs. Sandman Game of Thrones, Everything Everywhere, All at Once. <laughs> Cette série ouais. sur le 11 de France. Euh, voilà, moi, si je devais retenir trois trucs, même si tu ne me le demandes pas, je le dis. Euh, bah alors, Everything Everywhere All at Once, je l'ai euh, pris en VOD euh, aux US. Euh, donc, euh, du coup, euh, mais j'ai vraiment envie d'aller le revoir. Mais du coup, c'est pas latente, parce que j'ai déjà vu. Par contre, euh, sauter dessus, hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du gros caviar. Euh, bon je sais pas trop. Bullet Train m'intéressait, mais je. Bon, euh, Got, bien évidemment. Euh, Prey et euh, Star Trek: Lower Deck Parce que j'adore vraiment cette série. Donc en fait, t'es chaud, quoi. T'es juste un, es mec, un, es un mec bouillon quoi. On dit. Euh, care, ah ouais, ouais. Care, care, Moi care, il est chaud. Cainicule, il est chaud, il est chaud. C'est la canicule dehors. C'est la canicule aussi dans les attentes du mois d'août. Voilà mon te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pas le temps. Car il n'y a pas le temps, il est chaud pour le mois d'août, et du coup on a aussi hâte de pouvoir vous en parler et tout ça, et notamment on a prévu des vidéos sur... Ah j'ai oublié Tekken Blue Line saison 1 Tekken Blue saison 1, un animé qui sort le 18 août sur Netflix. Voilà. Je pense que j'ai plus rien oublié bah, t'as oublié de Lost Oli, Mo, The Patient, euh, mais est-ce que c'est si bien que ça Non, mais attends, je elle, sais pas. Là, tu es allé me chercher des séries que personne m'a regardé et qui n'ont pas de diffusion en France. Mais, euh, mais là, j'ai vraiment. Je suis allé dans la substantielle moelle du mois d'août. Est-ce que t'as parlé de. de oui, t'as parlé de Taken Bull mais est-ce que t'as parlé de, de Bad Scissors, de Size Girl, de euh, I Hit, Tale of the Walking Dead Eh bah, tu oui, sais quoi, je te plus laisse plus. en parler, vas-y, nous t'écoutons. Eh bien, c'est des séries que je ne regarderai pas et c'est pour ça que je ne les conseille pas. Des bisous à tous, on se retrouve euh, très bientôt et j'ai envie de dire, c'était une conclusion qui contredisait complètement le mot de la fin qui était pas le temps. Des bisous, ciao ciao!